الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. شفاعة مغيونيسون dans cette 16e journée du mois de Rabi' al-Akhir 1443, c'est-à-dire le 21 novembre 2021, pour notre deuxième cours dans l'étude du livre de Cheikh Mansour al-Baghouti rahmatullahi alayhi intitulé Umdatu al-Talib. Et nous avons pu, walhamdulillah, hier clôturer la lecture de l'introduction. On reprend, donc on continue la lecture. Qala al-musallifu rahimahullah ta'ala kitabu al-tahara. Kitab, donc comme on l'a vu et revu, d'accord, bima'na maktoub. Et le verbe kataba, qu'on traduit en français par écrire, à la base signifie regrouper. Wa min ajaibi hadhihi al-lughati anna asla al-qira'ati wal-kitabati bima'na al-jam'. Et parmi les choses étonnantes de cette langue arabe, c'est que la base, dans le sens du mot « qara'a » qui veut dire « lire » et « kataba » qui veut dire « écrire », retourne autour du regroupement. Et comment est-ce qu'on sait ça? En regardant les dérivés dans les mots de ces deux bases-là. Maintenant, on a le « qarya » de « qara'a », c'est la ville, on l'appelle ainsi parce qu'elle regroupe beaucoup de monde. Et on a le « katiba ». Le katiba, c'est un groupe, en français, ils disent un escadron, un groupe d'un certain nombre de personnes qu'on envoie pour des missions généralement d'ordre militaire. Et kataba, ça veut dire regrouper. Donc ça, on regroupe des lettres qui vont donner des mots dans l'écriture. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que le mot kitab, dans les livres de fiqh ou ailleurs, c'est en fait un majmou'. Un majmou' ahkam. C'est un regroupement, dans les livres de fiqh, c'est un regroupement de règles, de jugements, de lois qui vont tourner autour d'un sujet principal. Donc quand vous voyez kitab, c'est une partie principale. Une partie principale qui va regrouper donc les règles, les jugements, les lois en rapport avec le sujet, entre guillemets, abordé. Donc vous avez kitab, vous avez bab, vous avez fasl. Ce sont les noms des parties qu'on trouvera dans les livres. Kitab, donc, c'est la partie principale. Bab, c'est un chapitre, cette partie principale. Et fasl, donc bab, t'as vu, c'est un peu comme si tu rentrais dans une maison et tu ouvrais les portes, t'es dans une maison, kitab, c'est une maison, et chaque fois que tu rentres dans une des pièces de cette maison-là, tu ouvres une porte. Donc, c'est un chapitre qui fait partie des sujets, du sujet principal. Après le fasl, c'est un intermédiaire ou c'est quelque chose qui va séparer deux choses. Quand Allah dit subhanahu wa ta'ala, innahu laqawlun fasl, le Coran, c'est une parole qui sépare. Et c'est pourquoi le vrai du faux. Al fasl, donc, c'est une sous-partie indépendante. C'est-à-dire qu'elle a un rapport avec le sujet principal, mais elle ne rentre pas dans ses chapitres. Donc c'est une sous-partie indépendante. C'est pour ça qu'on l'appelle fasl, parce qu'elle va séparer les chapitres. C'est dans ce sens-là. Kitab, partie principale. Bab, chapitre de la partie principale. Fasl, partie indépendante qui ne rentre pas dans les chapitres. D'accord? Kitabu at-tahara. At-taharatu lughatan. النظافة والنزاهة من الأقدار المعنوية والحسية. الطهارة en français, ils le traduisent par la purification. Donc, ça, c'est une habitude une pratique à laquelle vous devez vous habituer. C'est qu'on va d'abord définir le mot d'un point de vue linguistique, dans la langue arabe, puis dans la terminologie spécifique qu'on est en train d'étudier. Donc, le mot, il aura un sens en arabe. Et un sens dans la matière qu'on va étudier. Donc, l'ouratel, quand on entend l'ouratel, c'est l'alif l'oura. Il est mansoub bin az'il khafid. Il est linguistiquement. Et al-nadafatu al-nazaha. Al-nadafa, c'est la propreté. Al-nadafa, c'est la propreté. Et al-nazaha, voilà, c'est pareil en français, la propreté. Donc, garde la propreté. Al-taharatu, d'un point de vue linguistique, c'est la propreté. Al-taharatu, al-nadafatu al-nazahatu, min al-aqdar. L'akhdar, c'est les saletés. C'est le fait d'être nettoyé, d'être propre,
de toute saleté. Ça, tahara en arabe. Et quand on parle de saleté, al-aqdar al-dhan, on parle de saleté ma'nawiya wa hissiya, c'est-à-dire abstraite et concrète. Concrète, c'est connu, tout ce qui est sale. Tout ce qui est sale, du sang, de la sauce, de l'huile, de la graisse, n'importe quoi qui va te salir. Quelque chose de sale concrètement. Et quelque chose de sale abstraitement, c'est tout ce qui va avoir attrait au cœur. Donc ce qui va salir le corps, c'est quelque chose de sale concrètement. Et ce qui va salir le cœur, c'est ce qui est sale abstraitement. At-taharatu lughatan, an-nadhafatu wan-nazahatu min al-aqdar al-hissiya wal-ma'nawiya. Donc le fait d'être propre, d'être nettoyé de toute saleté, qu'elle soit concrète lorsqu'elle touche le corps ou abstraite lorsqu'elle touche le cœur. Qui peut me donner un exemple de saleté du cœur? Le shirk Hassan, Elias 2. Les péchés Hassan, Leïdi. Le kibre, l'orgueil, très bien. Autre chose, Boubak. Ria, l'ostentation, Cédric. Hassan, l'envie. L'hypocrisie, très bien. Oui, l'hypocrisie, vous êtes. Vous allez le dire? Bon, on va pas tous les faire. Soit ça salue le cœur. Allez, bref, tu veux en dire un? Je t'ai vu dans mon champ de vision à 180 degrés. Non, donc tout ça, ça salue le cœur. C'est des saletés. C'est des saletés. Comme l'être humain, il fait attention à ce que ses vêtements soient propres quand il se présente aux gens, il doit en particulier, en priorité, faire attention à ce que son cœur soit propre lorsqu'il est devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shar'an, raf'u al-hadath wa zawalu al-khabath. Et la définition donc, spécifique au fiqh, à l'islam, de al-tahara, c'est deux choses. Raf'u al-hadath wa zawalu al-khabath. Raf'u al-hadath, donc si on traduit littéralement, c'est l'élévation de l'événement. Qu'est-ce que ça veut dire? Al-hadath, il le définit les ulama comme étant wasfun qa'imun bil-badan. Wasfun qa'imun bil-badan, un état propre au corps, un état qui concerne le corps. Wasfun qa'imun bil-badan yamna'u min iqamati salah, un état propre au corps qui empêche l'accomplissement de la prière. Yamna'u iqamati salati wa ma yushtaratu lahu at-tahara, un état wasfun qa'imun bil-badan, un état propre au corps. Ou si tu veux, un état spécifiquement corporel qui empêche l'accomplissement de la prière. Yamna'u an iqamati salati wa ma yushtaratu lahu at-tahara. Et tout ce qui a comme condition la purification. Et tout ce qui a comme condition la purification. Al-hadath. Donc je vous ai dit en français l'événement, parce que c'est quelque chose qui va jaillir ou qui va avoir lieu en toi. Un événement. Un événement, c'est quelque chose qui a lieu. D'accord ? C'est un état qui est propre au corps, ce qui exclut le cœur. Et c'est un état qui t'empêche de faire la prière. On verra après que al-hadath, il a plusieurs formes, et il t'empêche de faire la prière, ou toute autre adoration qui a comme condition la purification, comme le tawaf par exemple. Ou la lecture, ou bien toucher le mushaf. Il a réalisé le kamil al-ibadat, allati tushtaratu laha at-tahara. Aussi, il y a des définitions plus simples de l'hadath, même si la plus connue, c'est celle qu'on vient de donner. Al-kharij bil sabilay. Tout ce qui sort des deux orifices. D'ailleurs, petite parenthèse rapide, habituez-vous à certains termes en arabe, ce qui revient tout le temps. D'accord ? On les verra, sabil, al-yassir, c'est des termes qui reviennent tout le temps. Donc habituez-vous à eux dès maintenant, comme ça on n'aura plus besoin de les traduire. Quand on dit as-sabilayn, les deux chemins, les deux voies, on fait référence aux deux orifices. Quand on fait référence aux deux orifices, on fait référence à l'urètre, chez l'homme et la femme, et à l'anus, chez l'homme et la femme. Les deux orifices par lesquels les impuretés sortent. Les impuretés corporelles sortent. Donc dès lors que quelque chose sort d'un des deux orifices, tu n'es plus en état de faire la prière. Donc al-hadath, il a été traduit, expliqué plus simplement par cela.
il rajoute aussi wa ma fi ma'na raf'u al-hadath wa ma fi ma'na wa ma bi ma'na. Donc quand on revient à raf'u al-hadath, c'est le fait de lever de soi cet état qui nous empêche de faire la prière ou toute autre adoration qui a comme condition la séduction. Wa ma bi ma'na at-tayammum. Tayammum, les ablutions sèches, ça a le sens de raf'u al-hadath. Ça a le sens de ce qui va lever la purification. Pourquoi est-ce qu'on dit que ça a le sens? On verra par la suite que chez le Hanabila, at-tayammum, il ne t'enlève pas al-hadath. Il ne t'enlève pas al-hadath. Il ne lève pas de toi cet état. Mais il te permet d'accomplir une adoration qui a comme condition la purification. Il te permet de le faire. Tu restes muhdif dans cet état-là, mais tu peux faire la prière. Donc c'est une rukhsa, le tayammum, c'est une permission. Donc on le verra par la suite, inshallah ta'ala. Donc ça rentre dedans raf' al-hadath wa ma bi ma'nah wa zawal al-khabath. Wa zawal al-khabath, la suppression de al-khabath, de l'impureté. La suppression de l'impureté. C'est ça at-tahara dans la langue islamique. At-tahara, ça regroupe ces deux choses-là. Raf'u al-hadath, l'élévation de ce qui t'empêche de faire la prière, cet état qui t'empêche de faire la prière, et la suppression de ce qui est impur. Et là, il y a deux choses sur lesquelles je voulais revenir par rapport à la traduction, à la définition linguistique et la définition spécifique. La définition linguistique, on a dit que tahara c'est nadafatu wa nazafa wa nazahatu min al-aqdar. L'aqdar, on dit, c'est les saletés. Il ne faut pas confondre saleté et impureté. D'accord ? Il y a des gens qui confondent les deux. Toi, ma salade, tu vas manger ton sandwich et hop, la mayonnaise et le ketchup, ils tombent dessus. Donc, dans le off des gens, t'es sale. D'accord ? Est-ce que cette saleté va t'empêcher de faire la prière ? Là, c'est une saleté, certes, mais ce n'est pas une impureté. On verra par la suite que l'impureté, c'est Allah et son messager qui la désigne. On ne peut pas considérer une chose comme étant impure sans avoir à la base une preuve de la révélation. Et ça nous ramène vers une autre qaïda, c'est que la base en toute chose, c'est la pureté jusqu'à preuve du contraire. D'ailleurs, durant ces cours, inshallah ta'ala, comme on n'a pas fait de usul fiqh encore, eh bien, on va être amené des fois à traiter de certains termes spéciaux, fit tariq, dans le chemin. Donc, on le fera sans rentrer dans les détails. On rentrera dans les détails quand on étudiera l'usul ou l'qawa'id, inshallah ta'ala. Donc, on verra des définitions de termes spécifiques dans l'usul et on verra aussi certaines règles. Ces règles-là sont très importantes pour comprendre le fiqh. Et elles nous donnera accès à une connaissance beaucoup plus large de beaucoup de règles. Taïb, wa zawalu al-khabath ou al-najas. Ça, c'est la définition de tahara. Qala al-musannif rahimahullah, al-miyahu thalathatun. Al-miyah, c'est le pluriel de ma'. Al-ma' c'est l'eau. Al-ma'u wal-miyahu. Rapidement, très rapidement. Pourquoi on a une hamza au singulier et un ha au pluriel? Miyahun et miyahun. Parce qu'en fait, la hamza, ça c'est un indice pour te faire savoir quelle est l'origine de la lettre à la base. Ça c'est, on appelle ça dans le saf, on appelle ça al-i'lal. Al-i'lal. Et dans le saf, en fait, tu apprends que dans les mots arabes, des fois il y a des lettres qui ont été remplacées par d'autres, pour des raisons spécifiques. Toi, tu fais comment pour savoir c'est quoi la lettre de base? Il y a plusieurs techniques. Parmi ces techniques-là, c'est de regarder le pluriel. De regarder le pluriel. Ou de regarder le masdar du verbe. Il arrive. Donc, miyah, le ha, c'est la vraie lettre du mot à la base, qui a été remplacée par une hamza pour une illa sarfiya, pour une cause propre au sarf. Al-miyah, c'est le pluriel d'eau, de l'eau. Et pourquoi est-ce que dans Kitab al-Tahara, on traite des caractéristiques de l'eau en premier? Parce que c'est l'outil principal
pour faire ses ablutions. D'ailleurs, dans le fiqh, on ne traite pas de l'aqida. D'accord ? Il faut savoir que les mutaqaddimines, avant, ils mettaient tous les sujets dans le même livre. Et ils appelaient ces livres-là Kitab al-Ahkam. Aqida, fiqh, fitan, mala'il, tout dans un seul livre. Puis après, lorsque les années passèrent et que les siècles se succédèrent, les ulama se sont mis d'accord sur une tariqa, c'est de mettre l'aqaïd à part et l'ahkam à part. L'aqaïd, les croyances, et l'ahkam, les lois, les jugements. Et lorsque l'on va prendre un livre de fiqh, eh bien, il va suivre les piliers de l'islam, qui sont les principales adorations. Et comme la principale adoration, c'est la prière, on va commencer par la prière. Ensuite, on va commencer par les conditions obligatoires pour la prière. Et chez la majorité des ulama, la condition principale, c'est la tahara, les ablutions. C'est pour ça qu'on commence par les ablutions, la purification dans le livre de fiqh. Et après, selon cet ordre-là, cette logique-là, on va avoir besoin de savoir avec quelle eau je peux faire les ablutions. Et pour savoir avec quelle eau je peux faire les ablutions, je dois savoir combien de types d'eau existent. C'est pour ça qu'on va traiter en premier de l'eau. Al-Miyah, Thalath. Il y a trois types d'eau en tout. Trois types d'eau. Al-Miyah, Thalath. Il y a trois types. Il y a une eau avec laquelle j'ai le droit de faire les ablutions. Il y a une eau avec laquelle je n'ai pas le droit de faire les ablutions, mais j'ai le droit de l'utiliser, le droit de la boire, le droit de faire cuire mes aliments dedans, le droit de laver mes vêtements avec. Et il y a une eau que je n'ai ni le droit d'utiliser pour faire les ablutions, ni d'utiliser tout court. C'est ça les trois types. Al-Miyah, Thalath. Mad-Dalil, c'est quoi le dalil sur cette classification? Al-Tatabu' wa l'Istiqra. On a vu dans le Madhhab, qui parmi les Adilas du Madhhab, donc on a vu dans l'introduction à l'école d'Imam Ahmed rahmatullahi alayhi que parmi les preuves de l'école, on va réunir tous les textes qui traitent des caractéristiques de l'eau. Puis, on va les regrouper en fonction de ce qui les rattache les uns aux autres. Et à la fin, on constatera qu'il n'existe que trois types d'eau. Et cette classification en trois catégories est la vie majoritaire chez les fuqaha. D'accord ? Il existe des savants qui disent qu'il n'y en a que deux types d'eau. Celui qu'on a le droit de faire, avec lequel on a le droit de faire les ablutions, et celui avec lequel on a le droit de faire les ablutions. Il n'y a pas de catégorie intermédiaire. C'est un avis qui existe, mais l'avis majoritaire, c'est qu'il y en a trois. Surtout que, il est important de savoir que la deuxième catégorie, celle qui n'a pas été reconnue par un autre savant, chez la majorité, tes ablutions avec, elles ne sont pas valides. Tu fais les ablutions de cette eau-là, tes ablutions ne sont pas valides. Si tes ablutions ne sont pas valides, ta prière non plus. Donc, ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Et ça, c'est une chose, mes frères, je ne cesserai jamais de vous la répéter. Quand on est conscient de la divergence chez les fuqaha, sur des choses importantes comme celle-là, on n'est plus à cheval sur les divergences, dans le sens où on ne va plus regarder bizarrement quelqu'un sur une divergence, alors qu'en vrai, ce n'est même pas une divergence limite importante. On a déjà parlé des divergences demain, hein, dans le matral aussi. Donc, apprenons à élargir notre poitrine à l'acceptation de la divergence. Quand, bien sûr, cette divergence-là, elle est tolérée et est considérée. Al-Miyahu, thalathatun, tahurun yarfa'u al-hadath wa yuzilu al-najas al-tarib. Première de ces trois catégories-là, al-tahur, fa'ul, bima'na mufa'il, et tahur, bima'na mutahhir. C'est-à-dire que c'est une eau purificatrice. C'est une eau qui va regrouper deux caractéristiques. Elle est pure et elle est purificatrice. C'est-à-dire qu'on peut se purifier avec. On peut se purifier avec. Et je précise et je répète, quand on parle de purification ici, on parle de ce qui va nous permettre de faire la prière. D'accord ? De lever de soi al-hadath qui nous empêche de faire la prière et toutes les adorations en rapport avec la purification. D'accord ? Donc, tahour bima'na mutahhir. L'eau purificatrice pure. Cette eau-là, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique? Qu'est-ce qu'elle a comme, plutôt comme effet? يَرْفَعُ الْحَدَثِ وَيُزِيلُ النَّجَسَ الطَّارِ. Donc cette eau-là, elle va lever l'état qui empêche
l'accomplissement de la prière et les adorations qui ont comme condition la purification. وَيُزِيلُ الْخَبَثُ. Et il fera disparaître, cette eau-là, elle fera disparaître l'impureté. Donc on comprend qu'on ne peut pas se débarrasser d'une impureté si ce n'est avec une eau purificatrice. Tu peux prendre de l'eau pure qui n'est pas purificatrice pour laver un vêtement, donc là où il y aurait une saleté dessus. Mais si cette saleté est impure, tu devras obligatoirement prendre une eau purificatrice. Il dit Al-Najas ou Al-Najis ou Al-Najus, Muthallath Al-Jim. D'accord ? Ça, c'est un mot qui a plusieurs prononciations possibles. On peut mettre une fatha sur le Jim, une kasra et une dhamma. Donc Al-Najas ou Al-Najis ou Al-Najus, c'est l'impureté. C'est l'impureté. Ils disent les ulama, ils la définissent comme étant Aïnun Mustakhbathatun Shar'an. Aïn, yani, c'est une nature. Mustakhbatha, qui a été considéré comme donc, impur, shar'an, d'après la législation. Al-khabath. Al-khabath ou al-najis, c'est des sens qui ont c'est des mots qui ont le même sens. Wa yuzilu al-najis al-tari. Al-tari, en français, c'est ce qui est spontané. C'est ce qui est ponctuel. Ça, c'est linguistiquement. Après, ici, quand on parle de tari, c'est ce qui n'est pas d'origine. Parce qu'il y a deux types d'impureté. Une impureté d'origine, c'est quelque chose qui est impur à la base. Et quelque chose qui est impur à la base, on ne peut pas le purifier. Si tu prends un crottin et que tu le laves avec l'eau de la mer, ben le crottin sera toujours impur. Lui, il est najis aïli, il est impur en lui-même. Après, un najis taré, c'est ce qui va être souillé par l'impureté. Ton vêtement, là, il n'est pas impur. Mais si un enfant à toi, il urine dessus, eh bien, il sera souillé par l'impureté. Et donc, l'impureté, à ce moment-là, elle sera ponctuelle, elle sera spontanée sur le support. Et donc, l'eau purificatrice servira à faire disparaître cette impureté et rendra à ce qui a été souillé par elle son caractère, sa caractéristique de base, qui est la pureté. Et quand on parle de izalatun najasa, de supprimer l'impureté, eh bien, ça concerne trois choses. Al-jasad, le corps, al-thawb, les vêtements, wal-buqa, l'endroit. Quand on te demande d'être pur pour t'acquitter de tes adorations qui ont comme condition la purification, ça doit l'être sur ton corps, sur tes vêtements que tu as portés et sur l'endroit où tu vas prier. Donc cette eau purificatrice, elle servira à débarrasser ton corps ou tes vêtements ou l'endroit où tu vas prier pour pouvoir faire la prière. Al-Najis al-Tari' wa huwa al-Baqi ala khilqatihi. Al-Baqi ala khilqatihi. Wa huwa ici, et il, ça revient à al-Tahur, à la purification. Là, ça fait partie de du ta'qid. La complication dans l'expression. Pourquoi ? Parce que la qaïda, elle dit Ad-damir ya'udu ila aqrabi mazkur. C'est-à-dire que le pronom, quand ici il indique un absent, huwa, il, normalement la règle, c'est qu'il fait référence à l'élément évoqué le plus proche. C'est quoi l'élément évoqué le plus proche ici ? Al-najis. C'est l'impureté. Donc quand il dit « wa huwa al-baqi ala khilqatihi », est-ce qu'il parle de l'impureté ? Là, il parle de « tahour », il revient avant. Et ça, c'est fait exprès, frère. Je vous laisse, les fuqaha font exprès de prendre et d'exprimer les choses avec un peu de difficulté pour que l'élève ne puisse pas lire le livre tout seul et qu'il ait besoin de quelqu'un pour lui expliquer. Donc après avoir défini qu'est-ce qu'était l'eau purificatrice, il nous apprend à la reconnaître. Il dit « wa huwa al-baqi ala khilqatihi ». Al-baqi ala khilqatihi, c'est-à-dire que cette eau purificatrice, elle reste telle qu'elle a été créée. Et quand tu comprends qu'elle reste telle qu'elle a été créée, ça veut dire qu'elle ne subit pas de
de modification, de changement. L'état dans lequel elle était lorsqu'elle a été créée demeure le même. Que ce soit la chaleur ou la fraîcheur, ou que ce soit une eau salée ou une eau qui n'est pas salée, je veux dire sucrée, il a arrivé. Donc elle reste telle qu'elle est quand elle a été créée. Walaw hukman, yani, même si cette eau-là, elle reste telle qu'elle a été créée dans son jugement, pas dans sa réalité. Dans son jugement et pas dans sa réalité. Et là, on comprend que l'eau, elle reste telle qu'elle, de deux façons. Soit réellement, haqiqatan, comme on vient de le dire ici, l'eau qui descend du ciel, la pluie, ou encore la neige qui a fondu, et ainsi de suite. Ou l'eau de la mer, l'eau des ruisseaux, et ainsi de suite. Donc cela, elle reste telle qu'elle réellement. La deuxième, c'est l'eau qui reste telle qu'elle dans son jugement. Ça veut dire qu'elle a subi une modification qui ne va pas changer son état initial, qui ne va pas la changer pour autant. Mathalan, ils appellent ça al-ma'al-ajin. Al-ma'al-ajin, c'est l'eau qui change quand elle reste stagne, longtemps. Il dit kamutaghayyirin bimukfihi. Après, dans les exemples de l'eau qui reste telle qu'elle depuis sa création, dans le jugement, c'est-à-dire qu'on va lui donner, en gros, si vous voulez, on va lui donner le même jugement que la première catégorie de l'eau, sauf que même si elle a quand même subi un léger changement. Un léger changement qui ne va pas la changer elle-même dans sa nature. C'est dimanche matin, que le cerveau n'est pas encore réveillé. On y va tranquillement. Donc, il y a l'eau qui ne change pas réellement. Elle ne subit aucune modification. Il y a l'eau qui va changer légèrement, à laquelle on donnera le même jugement que la première catégorie. C'est ça la différence entre le ma'al-baq et al-khilqatihi. Haqiqatan wa hukman. Donc ça veut dire que la deuxième catégorie d'eau, c'est une eau qui va subir un léger changement. Après, dans des exemples, kamutaghayyirin bimukthihi, comme une eau qui va changer à cause de la stagnation. Tu laisses de l'eau sans bouger au même endroit pendant un certain temps, elle va, sa nature, enfin son goût va changer. À ça, ma'ajin. D'accord ? Et on a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les ablutions avec une eau de ce genre-là. C'est-à-dire une eau stagnante. Et il a fait les ablutions avec, ce qui prouve que c'est une eau qui reste purificatrice. Ou bituhlub. Ou bituhlub. Alors, la tuhlub, ou tahalil, il y en a qui disent que c'est les nénuphars. Ça, c'est aussi un élément qu'il est important de prendre en compte, c'est que le traducteur, il va traduire en fonction de ses us et coutumes. Et imagine-toi, tu es un traducteur, tu vis en Europe. Et quand tu regardes autour de toi, dans les lacs, tu vas te rendre compte que ce qui flotte à la surface de l'eau, c'est des nénuphars. Nénuphars, c'est ces grosses feuilles épaisses qui servent de canapé aux grenouilles. Mais il n'y en a pas en Arabie des nénuphars. Et en fait, la tuhlub, c'est la mousse. C'est la mousse qui se forme dans l'eau. D'accord ? Ce n'est pas des algues, je ne sais pas comment ça s'appelle, peut-être un autre nom. La vase. Qui c'est qui a dit ça ? La vase, oui. La mousse, c'est sur les arbres, généralement, sur les pierres. Cette sorte de vase qui se forme dans l'eau. Cette vase-là, cette mousse, elle va changer. Parce que l'eau, à la base, elle n'était pas comme ça. Elle va avoir un impact sur sa couleur. Parce qu'en général, cette couleur verte. Donc elle va changer la couleur de l'eau. Elle peut même aussi changer son goût. Et pourtant, on continuera à donner à cette eau le jugement de l'eau qui n'a pas changé. Le jugement de l'eau qui reste telle qu'elle est depuis qu'elle a été. Autre exemple, Aw biwaraqi shajar. Ou une eau qui va être changée à cause de feuilles d'arbres qui sont tombées dedans.
Ou bimamarrihi, ou par son passage. C'est-à-dire que l'eau, elle va passer dans un conduit, et ce conduit-là, il peut avoir un impact sur la nature de l'eau. Donc imaginons les tuyaux, par exemple, qui sont faits avec du cuivre. Donc lorsque l'eau elle passe dedans, elle va être imprégnée du cuivre. Et donc elle va avoir une caractéristique qui va changer. Ça n'aura pas d'incidence sur son jugement. Le jugement de l'eau, il restera le même. Une eau qui est toujours la même. Donc, imaginons, par exemple, quelqu'un il vit dans une région montagneuse, et il va installer un tuyau afin de faire passer l'eau de la neige qui fond vers son puits ou vers un récipient. Et ce tuyau-là, il sera d'une certaine nature, du cuivre par exemple. Bien, l'eau en passant, en coulant dans ce conduit, elle va être imprégnée par la nature du cuivre, du tuyau, et va être changée. Et bien, ça ne va pas dire pour autant qu'elle perdra sa nature purificatrice, même si elle aura changé légèrement. Wa nahwihi et autres. Donc là, l'auteur, quand il nous donne ces exemples-là, c'est ala sabil al-mithal lal-hasr. C'est-à-dire qu'il nous donne des exemples et il ne restreint pas les moyens. Il ne faut pas que tu te dises, toi, que c'est que de ces façons-là que l'eau reste telle qu'elle est écrite dans son jugement et pas autre chose. Non, il te dit que si ce sont des exemples parmi d'autres. Wa nahwihi et autres, hein, comme quand il dit wa nahwihi, ça revient à al-mamar, donc le conduit par lequel l'eau est passée. Donc, quelle que soit la nature de ce conduit-là, que ce soit fait avec que l'eau passe par un tuyau en cuivre, par exemple, ou bien que l'eau soit contenue dans un récipient d'une certaine nature, il a akhiri. En gros, le contenant dans lequel l'eau se trouvera, s'il a un impact sur la nature de l'eau, ça n'aura pas d'incidence sur son caractère purificateur. Vous savez, c'est très très difficile de traduire ce genre de choses-là. Aw bi mujawirin najis. Aw bi mujawirin najis. Al-mujawir, c'est ce qui est à côté. Ce qui est à côté. Donc imaginons, on a un lac et il y a une bête qui vient mourir à côté de l'eau. Et la personne précisée, al-mujawara, c'est à côté. Elle ne va pas confondre avec al-mukhalata, qui est le mélange. Donc l'animal, il vient mourir à côté de l'eau. Il meurt. En mourant, il devient najis. Il devient impur. Puis, Dieu de cet animal-là, donc il y aura plein d'effets, de réactions chimiques dans son corps, la décomposition, notamment au niveau de l'odeur. Et il est possible que l'eau soit imprégnée à cause de la décomposition de l'animal, sans être en contact avec. Là, là, la différence. Le mujawara, il n'y a pas de contact. Donc, imaginons, il y a du vent, hein, qui souffle, et l'eau, elle est imprégnée par l'odeur, eh bien, elle ne deviendra pas impure pour autant. Elle restera pure, purificatrice, et elle aura toujours le jugement de l'eau qui n'a pas été changée depuis qu'elle a été créée. Comme même, il y a un élément qui est venu la changer. Que ce soit un élément naturel comme ce qu'on a évoqué, donc la mousse, la vase, et les feuilles d'arbre, et ainsi de suite, ou comme ici, le mujawara, le fait qu'on ait une impureté qui se trouve à proximité et qui va avoir une incidence sur l'eau. Ensuite, chose que je n'ai pas, j'ai oublié de vous dire, c'est que l'eau purificatrice, elle se divise en quatre catégories. Là, on va voir la première. L'eau purificatrice qui est propre à l'utilisation pour tout le monde. Premièrement,
pour le moment, qu'ism al-mubah. Deuxièmement, al-qism al-makruh. On a une eau purificatrice qu'il est détestable d'utiliser. Tu peux l'utiliser, mais c'est détestable. C'est détestable. Et c'est détestable pour tout le monde de la même façon. Ça, c'est un détail qui est important parce que ça, on va y revenir après. Cette deuxième catégorie-là, donc c'est toujours dans la, on est toujours dans l'eau purificatrice, et elle est détestable à l'utilisation. L'auteur dit, rahimahullah, « وَكُرِهَا مِنْهُ شَدِيدُ حَرِّنْ أَوْ بَرْدٍ وَمُسَخَّنٍ بِنَجِسٍ » وَكُرِهَا, donc tout à l'heure je vous ai dit qu'il nous arrivera des fois de donner des définitions en rapport avec usul al-fiqh. Là c'est le premier exemple. Al-karaha, donc on n'a pas vu encore usul al-fiqh. Donc al-karaha sahoukoum, c'est un jugement qu'on va donner à une action. Les fuqaha disent que al-makruh ma nuhiya alhu ala ghayri wajhin ilzam. Al-makruh, c'est ce qui va être interdit, ma nuhiya anhu ala ghayri wajhin ilzam, de façon informelle. De façon informelle, ma nuhiya anhu, ce qui va être interdit, ala ghayri wajhin ilzam, de façon informelle. Donc pour que tu comprennes que le haram et le makruh sont tous les deux interdits. Le haram et le makruh sont tous les deux interdits. Pourquoi ils ont un jugement différent? Parce que c'est dans la formalité de l'interdiction. Ce qui va être interdit de façon formelle, ce sera haram. Ce qui va être interdit de façon non formelle, ce sera makruh. Comment on fait pour distinguer les deux? Le inkar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'il va reprocher à celui qui commet l'interdiction? Si le reproche il est sévère, on comprendra alors que l'interdiction elle est formelle. Si le reproche il est léger ou il n'y a pas de reproche, on comprendra alors que l'interdiction elle n'est pas formelle. Comme j'ai fait hadith de Umar Atiyah radhiyallahu anha قالت كنا أو ننهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. On nous a interdit de suivre les cortèges funéraires, quand elle dit « on nous », c'est-à-dire les femmes. On nous a interdit de suivre les cortèges funéraires « wa lam yu'zam alayna » sans non plus insister. Ça veut dire qu'elles ont, elles l'ont fait et on ne leur a pas fait de reproche. Donc c'est makruh, c'est pas haram. Ça c'est le had, c'est le ta'rif du makruh. « Ma nuhiya anhu ala ghayri wajhi l'izam » Quant au hukm, le jugement du makruh, c'est ma usiba tarikuhum tizala ou ma usiba tarikuhum wa lam yu'aqab fa'ilu. Le jugement du makruh, c'est l'action lorsque tu la délaisses, t'es récompensé. Ma usiba fa'ilu. Tu la délaisses, t'es récompensé. Wa lam yu'aqab tarikuhum. Et celui qui délaisse le makruh, il n'est pas puni. Et c'est encore une différence avec le haram. Donc le haram, entre le makruh et le haram, il y a deux différences. Au niveau de la définition, au niveau du jugement. Dans la définition, la différence, elle repose sur la formalité de l'interdiction. Dans le jugement, la différence, elle repose sur la présence de la punition. Le haram, celui qui le fait, il est puni. Le makruh, celui qui le fait, il n'est pas puni. Mais dans les deux cas, celui qui le délaisse, il est récompensé. D'accord ? Et dites-vous une chose, mes frères. Le fiqh, c'est jamais ou tafriq. Le fiqh, c'est regrouper les choses qui vont ensemble et séparer les choses qui ne vont pas ensemble. Quand toi, tu sais ce qui regroupe les choses et ce qui les différencie, un tafriq. Tu es un tafriq. Donc, wa kuriha. Et après, dernière chose, c'est qu'il est important de savoir que chez les fuqaha, des fois, al-karaha, donc la détestabilité, elle sera soit d'ordre légal, elle repose par un texte, ou elle est détestable chez les amants. Et ils ont considéré et ils ont constaté que c'est une chose à ne pas faire. Et donc ils disent que c'est détestable de le faire. Et là, c'est le faqih qui va te donner les cas où la base de l'karaha, la détestabilité dans un texte, ou les cas où elle vient des ulama. Wa kuriha
minhu, donc est détesté minhu, c'est-à-dire de l'eau purificatrice, shadidu harrin, une eau qui est trop chaude, une eau brûlante. Ou bardin, ou trop froide, une eau trop chaude ou une eau trop froide. Ici, al-karaha, à votre avis, elle est du premier type, c'est-à-dire elle repose sur un texte, ou du second, elle est considérée ainsi par les ulama. Oui. Par les ulama. Cédric ? Pareil ? Quelqu'un d'autre ? Oubak ? T'as le texte ? C'est un texte ? Ah, quand tu dis là, tu vas le sortir. Après ce verset, il y a ce, l'estiglal au pays, ou à laquelle, ou là. En fait, al-sahih, c'est de dire que c'est les deux. C'est-à-dire que les fuqaha, ils ont pris des kulliyats, des généralités, desquelles ils ont déduit cette détestabilité. Ça veut dire quoi ? Qu'on ne va pas trouver un texte qui nous interdit de faire les ablutions avec de l'eau chaude, trop chaude ou de l'eau trop froide. Lakin, il existe des kulliyat, des généralités qui nous interdisent de nous faire du mal volontairement. La darara wa la dirara. D'accord ? Et vous savez, c'est pour ça que les ulama, ils conseillent qu'on apprenne à Arba'in Nawawiya, parce que c'est des kulliyat. Et les kulliyat, c'est des généralités. Après, les juziyat, c'est les spécificités. Et dans le Coran, il y a des kulliyat. Maintenant qu'Allah, il leur donne la prière, il leur donne la prière. Il ne dit pas à quelle heure, ni combien de fois, ni comment. Des kulliyat. Et dans l'Arba'in al-Nawawiya, eh bien, il y a ces kulliyat. Il y a ce hadith, la darara wa la dirar. Yani, tu ne vas pas te faire du mal à toi, ni en faire à autrui. Et quand tu vas te servir d'eau chaude ou trop froide, tu peux te faire du mal. Rajoute à cela, annahu qad yamna'u an at-taharati al-kamila. Rajoute à cela qu'il peut empêcher de se purifier complètement. Quand tu ne supportes pas la chaleur ou la froideur de l'eau, tu vas avoir du mal à bien faire ce qu'on appelle isbar al-wudu. Isbar al-wudu, c'est bien étaler l'eau sur les membres des ablutions. Tu vas peut-être faire attention et rater une partie. Alors qu'on nous a ordonné justement de bien étaler l'eau et de bien faire attention à ce que le membre soit entièrement mouillé. C'est donc pour cette raison-là qu'il est détestable de se servir d'une eau trop chaude ou d'une eau trop froide. In qala qa'il. Si quelqu'un est dit, alam yahutha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ala isbar al-wudu ala al-makarih. Si quelqu'un est dit, mais le prophète n'a pas incité alayhi salatu wa sallam à ce qu'on étale l'eau ala al-makarih. Chez le makarih, pluriel de makruh, yani les endroits qu'il est détestable pour l'être humain d'atteindre lorsqu'on se lave, ou les états détestables pour les ablutions. Comment tu fais le lien entre ce texte-là et l'autre ? Eh bien, tout simplement en disant que ce hadith-là, yuhmalu ala al-akhar, ma lam yadurra bil badan, qu'il est recommandé de s'efforcer à étaler l'eau lors des ablutions, même sur les parties détestables du corps, ou dans un état détestable, tant que ça ne va pas procurer un mal. Donc si toi tu es à l'abri à ce que ça te procure un mal, na'am, asbir al-wudu ala al-makarih. Et c'est pour ça qu'on voit certains sahabis comme Amr ibn As, radiallahu anhuma, quand le prophète s'est envoyé comme amir dans une sariya, il s'est réveillé le matin en janaba, et il a fait tayammum. Il a fait tayammum. Et les sahabas, je prophète, il y a de l'eau. Il a dit, si je me lave, il fait froid, je peux tomber malade et mourir. Et Rasoul, il lui a donné raison à Rasoul Salam. Donc, tu prends en compte l'état. Et le makari, c'est pas, tu dis quoi ? Non, le hadith, il incite à ce qu'on on fasse des ablutions, même si c'est détestable, alors je ne lave qu'avec de l'eau froide. Il y a des gens, ils font ça. Mashallah, il a de l'eau chaude. En plus, nous, aujourd'hui, je connais le qui peut se vanter d'être mieux que nous, ou plutôt mieux logé que nous. T'as chez toi, tu ouvres le robinet, et t'as vu des fois, je parle pour moi, tu t'impatientes parce que l'eau met du temps à chauffer. Ah, il est relou, ce truc,
Donc tu n'as pas cherché du bois, tu n'as pas allumé du feu, tu n'as pas attendu que l'eau elle, elle chauffe. Non, tu attends que l'eau elle devient chaude avec ton robinet. Quand il a l'insan ou ma akfara. À la kulihal, donc tu peux te servir de l'eau chaude tant que ça ne va pas te faire du mal, de l'eau froide tant que ça ne va pas te faire du mal. Tu peux te servir de l'eau froide et l'étaler là où c'est difficile. Quelqu'un, mathalène, il a une chevelure, mashallah, il va faire un bon masque avec de l'eau froide. Il est chez lui. Chez lui, il a le chauffage. Il a des serviettes. Il ne va pas craindre qu'il lui arrive un mal. À main, il se fait le masque ou là, le rousse et il voit le hadith de Aïcha radiallahu anha où on a proposé au prophète une serviette, il a refusé. Il dit non, je ne me suis pas, la sunna. Après il sort, il fait froid, il fait moins 3 degrés. Après il rentre, ses cheveux ils sont gelés. Après il tombe malade. Après il dit j'ai suivi la sunna, t'as pas suivi la sunna. T'as pas compris la sunna. Donc il faut bien comprendre ces choses-là. Aou Moussa Khanin Binadis. Tout à l'heure, je dis Najis, Najous, Najas. En fait, le Moussalas, c'est le Noun, c'est pas le Djim. D'accord ? C'est le Noun. Najis, non, c'est le djinn. Excusez-moi, c'est le dimanche matin. Aou Moussa Khalin bin Najis. une eau qui va être chauffée dans un récipient de nature impure. De nature impure. Qu'imaginez-vous quelqu'un qui va faire un récipient avec le squelette d'un animal mort. Ou bien, il va faire un récipient avec du crottin d'animal qu'on n'a pas droit à la consommation. On n'a pas droit de consommer. Oui, il va faire un récipient avec un matériel qui est d'origine de nature impure. Il va mettre l'eau dedans sans que l'impureté n'ait d'impact sur la nature de l'eau. Parce que là, on est dans le makruh, on n'est pas dans le haram. D'accord ? Donc, on va comprendre ici que l'eau, elle n'est pas changée par sa présence dans ce type de récipient. Donc, si l'eau, elle n'est pas changée dans ce type de récipient, pourquoi c'est makruh de l'utiliser si elle est chauffée dedans ? Parce que il est possible que le feu qui va servir à chauffer l'eau sous le récipient fasse se dégager du récipient une fumée. Et que cette fumée-là, elle se mélange à l'eau. On verra par la suite, Inch'Allah ta'ala, que la fumée de ce qui est impur est aussi impur. Donc comme il y a un ihtimal, il y a une probabilité à ce que cette eau-là soit souillée par la fumée dégagée par le récipient impur, alors il est détestable de l'utiliser. Même toi, de visu, tu ne vois aucun changement dans l'eau. Comme il y a un ihtimal, alors tu éviteras d'utiliser cette eau-là. Smaqala, rahimahullah, lam yuhtaj ilayhi. Cette eau-là, qui va être chauffée dans un récipient d'origine impure, est détestable à l'utilisation pour la purification. Tant qu'on n'en a pas besoin, tant qu'il n'y a pas un besoin de cette eau-là, en gros, tant que c'est la seule eau qu'on a sous la main, en fait. Et là, on a le droit à une qaïda en rapport avec le makruh, c'est al-karahatu tazulu bil-haja. C'est que la détestabilité s'annule dans le besoin. C'est comme c'est une règle qui ressemble à l'interdit qui a au haram. C'est que ce qui va lever l'interdiction, c'est l'urgence. Ad-darurat tubihul mahdurat. Les nécessités, les urgences vont lever les interdictions. Et qu'est-ce qui va lever la détestabilité? Al-haja, le besoin. Et نطاق الحاجة أوسع من نطاق الضرورة. Et vous savez le rayon du besoin est beaucoup plus large que le rayon de
de la nécessité pour l'interdiction. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler dans le Soul Fiqh. Mais ça, c'est une ta'ala importante. C'est-à-dire que cette eau qui a été chauffée dans un récipient de nature impure, est détestable à l'utilisation. Tant qu'on n'en a pas besoin. Ça veut dire que si on en a besoin, dans le sens où c'est la seule eau qu'on trouve, alors c'est pas makrouh de l'utiliser. ثم قال رحمه الله أو بغير ممازج أو بغير ممازج. Vous connaissez toujours dans l'eau qui est détestable d'utiliser pour la purification. Deuxième catégorie, c'est l'eau qui va être changée بغير ممازج. L'eau qui va être changée par un élément qui se mélange pas à elle. Et là, on comprend que les éléments qui vont rentrer en contact avec l'eau sont de deux types. Ce qui va se mélanger à l'eau et ce qui ne va pas se mélanger à l'eau. Il va rester un corps indépendant, même dans l'eau. Même dans l'eau. La présence de ce corps va avoir un impact sur l'eau léger. C'est pour ça que la yaslubuhu tahouriya, elle ne va pas lui enlever le caractère purificateur. Malgré le fait qu'il ait légèrement changé. Quel exemple, il donne des exemples de mumazij, de ce qui va se mélanger à l'eau. Qal kadu biduhnin ou wa biqita'i kafour ou bimilhin ma'i. Donne trois exemples. Duhn, c'est l'huile. Et assimilé à l'huile. Tout ce qui ressemble à l'huile. Vous avez remarqué, quand vous mettez de l'huile dans l'eau pour faire les pâtes, elle forme une sorte de flaque à la surface de l'eau, bien distincte. L'eau et l'huile ne se mélangent pas. Si tu mets de l'huile dans de l'eau, l'eau elle va forcément être imprégnée par la présence de l'huile, mais l'huile ne va pas se mélanger à elle. Donc l'eau elle va légèrement être modifiée, mais comme l'huile elle est pure et qu'elle ne se mélange pas à l'eau, elle ne lui retirera pas son pouvoir purificateur. Mais comme elle est légèrement modifiée, c'est détestable de l'utiliser. On peut le faire, c'est détestable. Si je me lave, je fais des ablutions avec de l'eau mélangée à de l'huile, les ablutions seront valides. D'accord ? Autre exemple, qita' kafour. Le kafour, c'est le camphre. D'accord ? C'est une sorte de pierre qui dégage, de laquelle se dégage une odeur qu'on utilise pour laver les morts. Et cette odeur-là, elle a comme particularité de repousser les insectes. C'est quand le corps commence à se décomposer, ça attire les insectes. Et c'est pour ça qu'on s'en sert pour laver quand on lave le mort. Comme ça, les insectes s'éloignent le plus longtemps possible de la dépouille. Et donc, quand on met du kafour dans l'eau, pareil, il ne se mélange pas à l'eau. L'eau, elle reste telle qu'elle. Même si, comme c'est quand même matière de laquelle se dégage une odeur, ça va imprégner l'eau de cette odeur-là. L'eau sera modifiée légèrement, mais elle restera purificatrice. Parce que le kafour ne se mélange pas à l'eau. Troisième exemple, al-milh al-ma'i. Le sel marin. Ce qui s'oppose au sel terrestre. Il y a deux types de sel. Le sel marin, celui qui vient de l'eau. Le sel terrestre, celui qui est extrait des minerais. Celui qui est extrait des minerais, on va trouver des roches salines desquelles on pourra extraire le sel. Donc là, on parle du sel marin seulement, pas du sel terrestre. Si tu mets du sel marin dans de l'eau, forcément le sel va rendre l'eau salée. Il va donc avoir un impact sur son goût, mais ça ne lui retirera pas son pouvoir purificateur. On pourra donc faire, alors les ablutions avec, contrairement au sel terrestre qui lui n'aura pas la même propriété. Lui, si jamais on le met dans de l'eau, il lui retire son pouvoir purificateur.
Et quand l'auteur, il a dit tout à l'heure, mal lam yuhtaj ilayh, en parlant de l'eau qui a été réchauffée par, dans un récipient de nature impure, ça s'applique aussi à ce qui a été dit après. C'est une ta'ida amma pour tout ce qui est makruh, et pas seulement pour ce point-là. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de besoin à utiliser cette eau-là, c'est détestable de l'utiliser. Que ce soit l'eau trop chaude, l'eau trop froide, l'eau chauffée dans un récipient de nature impure, l'eau qui a été légèrement modifiée par un élément qui ne se mélange pas à elle, comme l'huile, le camphre ou le sel marin, toutes ces choses-là, tant qu'on n'en a pas besoin, c'est makruh. Si on en a besoin, c'est pas makruh. Si on n'en a pas besoin, c'est pas makruh, c'est pas détestable de l'utiliser. ثم قال رحمه الله ولا يكره مسخ أو عفوا ولا مسخن بشمس أو بطاهر ولا مسخن بشمس أو بطاهر. Il dit voilà. Si tu prends la phrase, c'est la traduire, tu vas pas y arriver. Voilà musakhanun bishams. Et non ce qui est chauffé par le soleil. Mais la négation ici, elle revient à quoi? Elle revient ici à l'absence de kara, à la kara. Yani voilà yukra. Il n'est pas détestable d'utiliser une eau qui a été chauffée par le soleil. Je mets deux mains à un récipient. C'est un jour où le soleil est tard. Je laisse l'eau dehors. Je la récupère après, elle est chaude. C'est le soleil qui l'a chauffée. Ce n'est pas détestable d'utiliser cette eau-là. Pourquoi l'auteur, il nous met dans ce qui est détestable, quelque chose qui n'est pas détestable? Parce que lui, il a divisé les eaux entre ce qu'il est permis d'utiliser, ce qui est détestable d'utiliser pour tout le monde, ce qui est détestable d'utiliser pour une partie des gens, qu'on verra après, inshallah ta'ala. Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle, au milieu de ça, il va nous dire que cette eau-là n'est pas détestable? C'est une question. Hassan, barakallahu fik. Isharatan ila wujud al-khilaf. Hassan. Pour indiquer la présence d'une divergence. Et nous, on avait dit que dans ce genre de livre-là, la natatarraqu ila dhikri al-khilafat. On ne va pas évoquer les divergences illa nadiran, sauf rarement, عند الحاجة, quand on en aura besoin. Ici, en l'occurrence, l'auteur fait référence à un qawl chez Shafi'i qui considère l'eau chauffée par le soleil comme détestable à l'utilisation. Et il se base là-dessus sur un hadith. Un hadith dans lequel le prophète aurait dit à Aïcha radiallahu anha, après qu'elle se soit servie d'une eau chauffée par le soleil, de ne pas le faire, لِأَنَّهُ يُورِثُ الْبَرَسِ. Parce que l'eau qui a été chauffée par le soleil, si on s'en sert, elle donne le vitiligo. Vous savez, cette dépigmentation de la peau. On voit des gens, des fois, ils ont des traces blanches sur la peau. C'est ça le vitiligo. Contrairement à ceux qui traduisent le baras par la lèpre. Ce n'est pas la lèpre. Donc, ce hadith-là, l'imam Nawawi, rahmallahu ta'ala, il a dit « Ittafaqa ulama al-hadith ala da'afi ». Tous les savants du hadith sont d'accord pour dire qu'il est faible. Il y en a même qui ont dit qu'il était mordou. Il y en a même qui ont dit qu'il était inventé. À la kulli hal, ce hadith... En plus du fait qu'il ne soit pas acceptable, il y a un ijma des atibba. Il y a un consensus des médecins que utiliser de l'eau chauffée par le soleil ne fait pas, ne donne pas l'utilité. Ce n'est pas une cause pour l'obtenir. Donc si l'auteur il a fait référence à ça ici, c'est juste par référence, par allusion à la présence d'une divergence. Voilà, musakhanun bishams mutlaqan. Donc si tu veux, c'est un eau qui est chaude parce qu'elle est restée au soleil, il n'y a absolument aucun mal à l'utiliser. Ou bitahirin. Ou bitahirin. Ou, comme il n'est pas détestable d'utiliser une eau chauffée par quelque chose de pur. Par quelque chose de pur, comme du bois, مثلا. On va prendre du bois, on va s'en servir pour chauffer de l'eau. Il n'y a pas de détestabilité à ce sujet-là, Nassa alayhi al-Imam. Imam Ahmed rahmatullah alayhi, il a dit clairement qu'il n'y avait aucune détestabilité à se servir d'une eau qui a été chauffée dans quelque chose de pur. La détestabilité concerne le cas où le récipient il est impur. Taïb naktafi bi hadha al-qadri, inshallah ta'ala. J'ai des questions dans la question.
Là, je n'ai pas dit ça. Non, j'ai dit que la fumée qui se dégage de quelque chose d'impur est impure. La sentir n'a pas d'incidence sur toi ni sur tes ablutions. Par contre, si cette fumée, elle va s'imprégner, elle va imprégner tes vêtements, et tu vas prendre tes vêtements à sentir cette odeur, il faudra purifier ce qui a été touché par la fumée. C'est dans ce sens-là. On en reparlera après. Mais ça n'a pas d'incidence sur les ablutions si tu sens l'odeur d'une fumée qui se dégage de quelque chose d'impur. Ah, ça, on va en parler après. Aussi, justement, la différence entre Zawal ou Al-Izal. On va en parler après aussi, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce que une impureté, si elle disparaît naturellement, sans l'activité humaine, est-ce qu'on peut considérer que le support qui était souillé par elle n'est plus impur? Ça, c'est le message, on en parlera après, Inch'Allah Ta'ala. Oui, c'est... Parce qu'en fait, on part du principe où l'eau, elle reste telle qu'elle dans ses principales caractéristiques, le goût, l'odeur et la couleur, et dans sa réalité. Dans sa réalité. Donc là, lorsqu'on va prendre de l'eau de la mer, qu'on va traiter pour la rendre potable, elle reste de l'eau et elle garde ses caractéristiques initiales, qui sont, enfin, même tu me diras, le goût, là, il sera pas le même, mais ce tarier, il va pas avoir d'incidence, cette modification va pas avoir d'incidence sur la nature de l'eau. Oui, parce que il faudra prendre en compte aussi notre partie qu'on verra après, c'est la quantité de l'eau. Quand l'eau elle atteint une certaine quantité, elle reste purificatrice. Donc, quand même on mettrait de l'eau de la Javel dans l'eau pour la désinfecter, même si l'odeur elle est présente, ça n'aura pas d'incidence sur la nature de l'eau après, Inch'Allah. Oui, Hamza. Exactement, ça concerne les deux, que ce soit le combustible ou le récipient, ce sera, s'il est impur, l'eau en question, elle sera détestable de l'utiliser. Parce que la illa, c'est la même, la cause c'est la même, c'est la crainte que la fumée, elle ait un impact sur l'eau. Oui, le jugement d'une personne qui ignore les catégories de l'eau et qui fait les ablutions avec l'eau sans savoir quelle est sa nature, si c'est une ignorance et qu'il lui il a fait son maximum, il rentre dans le verset Fattakullah mastata'tu. Il aura craint Allah Ta'ala à la hauteur de sa capacité et il sera excusé. Chez le Hanabila, yu'dhar bil jahli fil furu' la fil usul. Chez le Hanabila, on va excuser par l'ignorance dans les ramifications, pas dans les bases. Ça, c'est le qa'ida. Bil jahl, si quelqu'un il fait une chose par ignorance, tant que ce n'est pas une négligence, on fait la différence aussi entre les deux. Mais quelqu'un, il a les moyens de savoir, il a autour de lui des savants ou la science, il peut l'obtenir, mais il ne s'intéresse pas. Yu'rid anha, il s'en détourne, wa yufarrit fi talabiha, et il... est négligent dans sa demande, là il ne sera pas excusé. Si par contre il est ignorant, il n'a pas les moyens d'apprendre, ou il n'a personne pour lui expliquer, là il sera excusé. Oui. Là il comment on connaît le Rasul Minal Furaj? Pas dans le jahl, c'est ça? Le Rasul c'est tout ce qui touche au Aqaïd. Même si Moutabi a l'Aqaïd sur ce taqsim, mais à la Kulihal, le Rasul c'est la Aqida. Et les kulliyat dans la aqida. D'accord? Les points principaux de la aqida. Et le furu' c'est les ibadat, les adorations.
Est-ce qu'il y a une question? Vous avez dit que c'est dans les manhages des salafs qu'il y a les débats. Est-ce que c'est aussi le cas pour les débats contre l'athéisme ou le christianisme? Oui, nous, on ne débat pas. On met en évidence les réalités. Stop. Tu vas voir les juifs, les chrétiens, les athées, tu leur dis, c'est comme ci, c'est comme ça. Amma, tu t'assois avec eux, tu débats, moi je pense que, toi tu penses que, nous pensons que. Non, ça, on ne le fait ni avec Ahlul Bidah, ni avec les innovateurs, ni avec les mécréants. Quel est le jugement du gel cire qui se mélange à l'eau lorsque j'essuie mes cheveux ou ma barbe? Dois-je relever mes mains afin d'y enlever les résidus de gel? Ça, c'est une ta'ida qu'on a donné dans le cours, c'est un peu tout de suite. C'est, on va regarder la nature de ce qui va être mis dans l'eau. Donc, premièrement, est-ce que c'est pur ou est-ce que c'est impur? Deuxièmement, est-ce que ça va se mélanger à l'eau ou non? Troisièmement, si ça se mélange à l'eau, est-ce que ça va avoir un impact sur l'eau ou non? Donc, à partir du moment où on a pris en compte ces choses-là, on sera en mesure de soi-même de savoir si l'élément qui est dans l'eau va avoir un impact sur son pouvoir purificateur. D'accord? Donc, déjà, premièrement, le gel, la cire, est-ce qu'ils sont purs ou non? Il faut voir la nature du gel et de la cire. Deuxièmement, est-ce que le gel ou la cire se mélange à l'eau? Je ne sais pas, je n'utilise pas, donc qu'est-ce que vous en pensez? Et ça, c'est important, justement, le moufti, pour répondre, il faut qu'il connaisse la chose. Moi, le gel et la cire, c'est pas mon truc. Donc, est-ce que ça se mélange à l'eau? Il n'y a personne qui sert de gel ici? Vous ne savez pas? Mohamed, toi qui as une chevelure si... Mashallah. Non, ça ne vous dit rien? Oui, donc dans l'occurrence où le gel ou la cire ne se mélangerait pas à l'eau, eh bien, c'est comme le douhn, ça rentre dans le douhn. Tout à l'heure, on a dit le douhn, l'huile, il faut savoir qu'ils sont servis pour se, leurs cheveux, justement. Donc si on va assimiler le gel et la cire au douhn, ça aura le même, gel, le même jugement que le douhn. D'accord? On a dit. C'est ce qui va être changé, c'est l'eau qui va être légèrement changée par un élément qui ne se mélange pas, à l'eau. Ensuite, dernièrement, dans le cas où le gel ou la cire se mélangerait à l'eau, on va voir est-ce qu'ils ont un impact sur l'eau, est-ce qu'il va changer de leurs caractéristiques. Et on regardera aussi la quantité de l'eau. Si l'eau atteint un certain litrage, ça n'aura pas d'incidence. Mais si la quantité d'eau est inférieure à ce litrage-là, et que le goût, la couleur ou l'odeur a été changée, on ne pourra plus faire les ablutions avec, en espérant que la réponse soit complète. Hein? Non, il y avait le prophète qui faisait les ablutions de l'huile sur ses cheveux, et il n'a pas été rapporté qu'il se nettoyait les cheveux avant de refaire les ablutions. Et la qaïda, c'est que tant que ce qui va être sur les cheveux ne va pas les rendre imperméables de façon à ce que l'eau ne puisse pas mouiller, alors il n'y a pas de mal, inshallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum.